Je recommence. Tu t'es pas fait virer, toi, c'est marrant. Il y a eu un coup de balai, mais toi, t'es resté. Ils savent pas que t'es là, c'est pas possible. Moi, c'est qu'ils ont viré Del Bello parce que c'est un punk nihiliste, forcément, mais. Oui, on l'a toujours su. Bah, ça fait plaisir d'avoir lu Cadeau, parce que c'est un Nantais, que c'est bien d'aller crescendo, pas commencer trop fort. À chaque fois, on a toujours un Nantais pour débuter, quand c'est pas le président, c'est un joueur. Mais c'est bien, parce que c'est une équipe, tu vois, modeste, tranquille. Vous nous emmerdez pas avec les buts, c'est pas compliqué à faire les résumés. Franchement, c'est cool. Non, vraiment, c'est sympa. D'ailleurs, je me demande, est-ce que quand vous faites des jeux de piste, vous n'avez pas trouvé un jeu de piste pour trouver le chemin des filets, par exemple? Ça serait pas mal. Et les mecs disent, ah, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est au poteau de corner? Non, pas loin, mais tu chauffes. Non, et ça gagne, Nantes. Ah ben, ça gagne par le plus grand des scores, évidemment, c'est en score et en Liga. C'est impressionnant. Hein, c'est vrai. Mais vous n'avez pas un gage si vous allez dans la surface adverse? Si, c'est le coach qui met les règles. Ouais, voir avec le coach. C'est qu'il a joué à Nantes, lui. Hein. C'est qu'à l'époque, vous avez même vous marquiez des buts, même presque. Ouais, mais ça nous arrivait de ne pas en marquer aussi. Oh, ouais. C'était fou, quoi. C'est une autre époque. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont jamais allés. Ils ne savent même pas ce qu'il y a en face. C'est peut-être deux t-shirts, un casque, un sac. À des fois, on ressort du ouais, pas, donc, on ne sait même pas ce qu'il y a dans la surface adverse. Ça ne te concerne pas, de toute façon. Vous reculez, toi, tu recules. Zéro but, hein, tu peux rien nous dire, nous, on ne prend pas de buts. Défenseur recule le gardien, il fait les tifos. Enfin, bon, voilà, c'est tous derrière Zakarian, machin. Au moins, ce truc est sûr, vous n'allez pas le vexer, vous n'allez pas mettre plus de buts que lui. Ça, c'est, voilà, au moins, c'est sympa. Alors, je vais quand même vous poser une question sérieuse, parce qu'on peut se tutoyer. Allez, on est cool, on est un. Donc, Lucas, s'il te plaît, je vais te demander, sérieusement, est-ce que tu n'es pas trop déçu, après toutes ces années, après deux ans, comme ça, d'être encore à Nantes, alors que, bon, tu as quand même montré ce que tu savais faire, c'est pas trop décevant de rester une année de plus à Nantes? Je sens la connerie, alors. Non, bah, c'est une vraie question. Ah, mais je sais pas, avec ta tête de rigolo, là. Est-ce que c'est un entraîneur qui fait progresser, Der Zakarian? Oui, bien sûr, il m'a fait progresser, ouais. Alors, pour vérifier cette info, on va regarder notre... Non, parce qu'on a un appareil, nous, c'est la Mitoline Technologie qui nous permet de vérifier si... Alors, est-ce que Der Zakarian est un bon entraîneur qui fait progresser? Ah, c'est mytho, ça ne s'est joué à rien. Non, mais c'est pas grave, hein, je veux dire... Tu sais, t'es nouveau, là-dedans. On te croit pas toujours au début. Puis après, finalement, tu feras comme tout le monde, tu diras que tu restes un an, puis tu te dors au bout d'une journée, comme le champion du monde. Maximum respect. C'est pas une humiliation, d'ailleurs, de jouer en Ligue 1 et de ne pas avoir été recruté par un club anglais à l'intersaison? Tout le monde part en Angleterre, sauf vous. Bon, il y en a d'autres. C'est qu'il y a une raison. S'ils sont partis, c'est qu'ils ont le niveau pour jouer là-bas. Sûrement que je ne l'ai pas, simplement. Il t'a dit pas ça, merde. Chialer. On va passer à des choses un peu plus sympathiques. Tu connais Karim Rekik? Vous connaissez Karim Rekik? Bien sûr. Ah, on connaît, on fait genre, on connaît pas en vrai. Personne connaît Karim Rekik quand il est arrivé. Très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Personne ne sait qui c'est. Il est remplacé en Hollande. Mais bon, et moi, bon, quand il est arrivé, on m'a dit Karim Rekik. J'ai dit Karim Rekik qui? Karim Rekik qui? Eh ben, je suis pas si ouf parce que même lui, quand il chante à sa gloire, ça donne ça. Karim Rekik. Karim Rekik. C'est un délire, hein. C'est un délire, chanter son nom comme ça, bienvenue, Stéphane Guy. Stéphane Guy, ça ne viendrait pas à l'esprit. Non. Attention, on est aux Pays-Bas, il y a des trucs en vente libre qu'on n'a pas chez nous. Hein. Après, il est à Marseille, il trouvera s'il cherche, hein, évidemment. Il n'y a pas besoin de jeu de piste pour trouver ça. Bref, sinon, il y a un jeu en ce moment qui marche très bien, qui a remplacé le Ice Bucket Challenge, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça s'appelle le Dizzy Challenge. C'est assez intéressant, il y a un ballon sur le point de pénalty, un autre ballon qui est 5 mètres derrière, on met la main sur le ballon, vous voyez, Gareth Bale le fait là, Gareth Bale il tourne 13 tours, voilà, donc c'est un peu difficile. Ça c'est Gary Lineker, qui a un peu du mal visiblement, qui était un bon à l'époque. Hein. Ah, il va y aller, voilà. Vous l'avez fait à Nantes? Non. Il l'a fait avant de s'entrer contre Reims. Ouais. Alors nous, on a une force, c'est qu'en France, ils sont gentils. Nous, on avait le Ligue 1 Challenge. Regardez, c'est assez extraordinaire. C'est exactement la même chose, enfin à peu près. Voilà. Voilà, c'est la même. C'est à peu près les mêmes tirs. Voilà. Sauf que nous, monsieur,
on ne tourne pas autour du ballon. Si je dis merci la Ligue 1. Voilà, ça, c'est quand même très fort. Cette semaine, il y a quelques petites choses qui m'ont un peu marqué dans l'actualité du football. Bon, je les ai vues pêle-mêle comme ça. Hein. Voilà. Hé, hey, vise les filets cette fois. D'accord, j'y vais. Voilà. Mais c'est le filet. Voilà, c'est le filet. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ah, il est trop bon, sérieux, il est trop bon, ma blague. Mais vas-y, raconte. Vas-y, laissez-le, il va vous la raconter, vous inquiétez pas, c'est bon, calmez-vous. Mais calmez-vous, il vous la raconter. Alors en fait, c'est Hervé Renard, tu vois, il est en Europa League et les mecs lui demandent « Vous avez pas peur de tomber sur une poule difficile ?»« Je vais pas avoir peur d'une poule, je suis un renard !» Oh, la blague de merde. Oh, vas-y, t'es un tocard, rentre chez toi. Ta blague, elle est pourrie. Excuse-moi. Eh les mecs, sa blague, elle était vraiment pourrie. Excusez-moi, vous pouvez pas jouer parce que là, vous saignez, vous allez vous faire mal au cerveau avec une tête. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cerveau? J'ai jamais eu de cerveau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, laisse-le. Non, mais lui, il peut jouer, lui, il risque rien, le cerveau risque rien. Oh, adopte un mec. Un mec. Pour adopter un mec, mets-toi un profil de mec, sinon c'est toi qui adopte un mec. Ah, oh, ouais, t'as raison. Oh, le fou. Oh, l'erreur, t'as vu? Sortie du numéro 18, Lucas Do, remplacé par Magali. Ah, mais ça peut pas être pire, de toute façon. À ton avis, Bernard Fabre, pour le faire signer, on lui a fait croire qu'il est au Milan AC, on a le même maillot. Il y a cru, ce con. Bien sûr. Bon, et tu donnes la balle à Valer Germano, ok? Capisce? Compris? Ça, c'est bizarre, Milan, sérieux. Je reconnais pas du tout ça. Hey, c'est toi, Alexandre, la casquette? Vas-y, donne la casquette. Hey. Voilà. Maintenant, c'est moi. C'est moi la casquette. Et hey, c'est moi le salaire à 5 millions, t'es paf. À moi la casquette. Hop, top, top, top. Hey, il y a de la meuf ce soir hein? Oh putain, une biatch. Oh, j'y vais, laisse tomber. Salut ma poule, tu vas? T'es seul? T'as un mec? Ah merde, il y a son mec. Salut. Ouais, salut. Laisse tomber, elle est maquée, c'est mort. Eh, hey, dès que tu me vois en profondeur, tu me la donnes direct, d'accord? Eh, hey, comment veux-tu que je te vois en profondeur? Parce qu'en profondeur, t'es sous le gazon, mon pote. Eh, hey, t'as pas vu mon nez? Si, il est au milieu de ta figure. Ah putain. Ah ouais, putain, j'ai eu peur, merde. Eh, hey, j'ai vu, il y a une équipe de tocards. Alors, tu me vires tous les blaireaux du mercato et tu les envoies où tu veux, d'accord? Ok? Eh, hey, excusez-moi, tu peux le dire à Mario que non, c'est possible de jouer à partir de dorénavant, si? En fait, il dit que t'es nul, tu vas dégager, joue à ta place, et toi, tu vas sur le banc, d'accord, mec? Ah, ok, d'accord, ouais, ok, d'accord. Alors, toi, tu vas partir pour 2 millions à Cesena, d'accord? Toi, tu vas partir pour 3 millions à Bursaspor. Tu verras, c'est chouette, Bursaspor, c'est super. Voilà. Eh, Alessandrini, excuse-moi, Antalya, tu connais? Hop, tu vas direct, pour 2 millions d'euros. T'as compris? Super. Eh, t'as vu, c'est que c'est une tactique, c'est pas une tactique d'opérer, ça. Ça, c'est une tactique qui gagne, baricone. T'as compris? Franchement, entre nous, t'as quand même pas cru que t'allais rester sur le banc de l'OM, non? Hein? Non. T'y as cru? Non. Oh, le fléau! Il respecte rien. Alors, rien. Il respecte absolument rien. J'ai une dernière question. Ah bah oui. Il y a 2 ans, vous avez démarré en Ligue 1 Canal Football Club. 2 ans plus tard, J+1. C'est quoi la prochaine étape? C'est Golf Plus, Info Sport la matinale, ou voir D8, gym matin. Vous préférez quoi? À votre avis, c'est quoi l'avenir? D8, c'est pas mal. Bonne chance. Merci. C'est déjà fini, Lucas. C'est déjà fini. Merci d'avoir partagé la première de J+1. Merci de m'avoir invité. On vous souhaite de continuer.